tanné de, du décor qui est là. Fait que on arrache tout puis on recommence au début. Comme ça, ça risque d'être pas mal mieux. Le mur au complet pour commencer. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup parlé durant la vidéo, j'étais vraiment concentré dans ce que je faisais. Fait, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des petits spots pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est ça, le mur, on a commencé par arracher toute la céramique du mur, qui était vraiment pas belle, de vieille céramique. Par la suite, on a taillé la maison pour tout couper le bois. La personne que vous voyez travailler avec moi, c'est mon père, Roger. Il m'a donné un super coup de main là-dessus. En arrachant la céramique sur le mur, il y avait un gros trou. Fait qu'on l'a patché avant de remettre du bois par-dessus. Donc je trouvais que ça faisait plus propre un petit peu. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tout coupé nos planches. On les a mesurées et on les a coupées à la bonne longueur. On les a collées et clouées sur le mur pour être sûr que ça soit bien fait. On a fait une boîte de bois alentour pour cacher les tuyaux. Parce que présentement, tout le système d'eau est automatisé. Si on veut l'eau filtrée, si on veut refroidir notre moût de bière avec un refroidisseur à plaque, ou si on veut de l'eau de la ville, c'est des valves électroniques qui vont nous donner la possibilité de. On a installé la télé pour justement aider à nos cours de brassage, qu'on fait au brasseur ou nos journées de brasse, pour les explications, ça va être plus facile avec une image que juste blabla. Puis, par la suite, ben, on a posé les tablettes. Il manque encore une tablette ici qui est en préparation à la maison. Fait que j'espère que vous passez un bon visionnement, puis restez jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise. Phase 2, on a peinturé le mur au cas où il y a des petites planches qui fassent des trous. Puis après ça, on va commencer à poser la truche. Ça. Ça va être les prochains décors, souvent des prochaines vidéos. On a vraiment travaillé fort, moi, mon père, pour tout finir au complet. Ça a pris environ 2 semaines. Il reste encore quelques petites modifications à faire, mais malgré tout, c'est fonctionnel puis je suis vraiment content. J'allais oublier, il y a un petit concours à la fin du vidéo. On fait tirer l'espalette du brasseur. Elle a été conçue au Costa Rica par un de mes amis. Elle est faite en tête. C'est la palette tête de squelette. C'est super facile pour participer, il faut juste suivre les liens en dessous de la vidéo.
Puis on va annoncer notre gagnant sur notre story Instagram dans 2 semaines. Fait que restez avec nous, puis allez voir notre Instagram aussi. Pour le brasseur, tous les liens sont en dessous de la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben faites-nous le savoir. Abonnez-vous à notre page, puis on se voit dans une prochaine vidéo. J'ai entendu qu'il y avait un concours! Il y a un concours!